Bonjour, je vais vous montrer comment on stream depuis la console Xbox One pour éviter de streamer depuis enfin, depuis le PC. Voilà, il faut vous connecter d'abord sur votre Xbox application. Une fois que c'est fait, il faudra faire un truc d'abord sur la One avant que ça marche. Donc, c'est depuis bien sûr qu'ils ont fait. Comment vous dire? Depuis qu'ils ont fait la mise à jour de Twitch, on peut streamer depuis le Twitch, mais c'est plus pareil. On ne stream, enfin, c'est horrible. Il faut que j'attende un peu. Oh là. Non, c'est bon. Alors. Il faut d'abord aller, avant de faire ça, avant que la console atterrisse sur votre PC, parce que vous pouvez jouer bien sûr sur la One, et vous laissez le PC streamer sur vos jeux. Voilà, vous allez ici, vous appuyez surtout ici. Là. Vous allez ici, fonctionner à distance. Une fois que c'est fait, essayez de bien regarder aussi vos options d'alimentation. Personnaliser, moi je mets actif à gauche. Cochez tout ça. Hein. Voilà, pour éviter que la console s'éteigne, bien sûr. Une fois fait, vous pourrez après aller sur l'application Xbox. Voilà, vous irez sur l'application Xbox, comme je vous ai dit. C'est dommage parce qu'on ne peut pas le. Voilà, vous avez sur l'application et vous allez en haut à gauche, comme je vous ai montré. Et au bout d'un moment, vous allez atterrir sur votre console. Une fois cela fait, bien sûr, vous pourrez streamer. Là, on voit rien, c'est normal. Et vous pourrez streamer à partir de là. Hein. Il n'y aura aucun problème. Une fois que vous aurez streamé, mais ça va streamer avec depuis le PC avec le casque. Vous jouez avec votre manette, hein, vous mettez juste brancher votre casque sur le stream du PC et vous aurez un bon son. Ça déconnera plus. Parce que depuis avant, on streamait depuis là. Mais depuis qu'ils ont fait les mises à jour, là ça va pas apparaître parce que je stream depuis le PC. Alors maintenant, il faut qu'on passe ici. Si on stream sans le casque, c'est-à-dire le micro, ça va. Mais dès qu'on met le micro, le son est horrible. Il lag et tout le bordel. Voilà. En tout cas, j'espère vous avoir aidé parce que c'était pas si dur que ça. Hein. Vous voyez, avant il fallait passer par Xbox Compagnon, mais non, on passe par ça. Donc voilà. Voilà ce qui est le plus simple. Voilà. Je peux pas. C'est aussi simple que ça. En espérant que vous avez bien compris. Voilà. Allez, bonne soirée et à bientôt pour un autre tuto si j'en trouve un autre. Merci, au revoir.